Ah, aujourd'hui, c'est le week-end, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement acheté un gâteau pour ma fangirl Anna. J'espère qu'elle va être super contente, je l'aime vraiment trop. En fait, plus les vidéos passent, et plus j'apprécie cette fille. Elle est vraiment trop gentille. J'espère qu'elle va être super contente que je lui ai apporté un gâteau, parce que c'est le week-end, et le week-end, on fait des gâteaux. Ok, Anna, je te ramène un gâteau. Anna, t'es là? Allô, Anna? Est-ce que Anna est là? Pourquoi Anna n'est pas chez elle? Normalement, je vais lui ramener un gâteau. Mais non, mais Anna! Oh, mais comment ça se fait qu'Anna soit pas chez elle? C'est quoi? Où est-ce qu'elle peut être? J'ai trop aimé l'après-midi qu'on a passé tous les deux. Hein? Ah, oui, moi aussi, hein. C'était... oui, la glace était très bonne, hein, mais c'était loin quand même, hein. C'est d'où, ça? Oui, vous voulez venir chez moi maintenant? Mais c'est que il faut que j'aille voir si j'ai des choses à faire, mais peut-être une autre fois on pourra refaire ça, hein. Ah oui, avec plaisir, ce serait trop bien. Oh, salut, t'as le cadeau. Salut. Salut, t'as le cadeau. De quel après-midi vous parlez? On vient de passer l'après-midi ensemble. Le papa d'Awariz, il est trop charmant. T'as passé l'après-midi avec le père d'Awariz? Ouais, c'est que j'attendais Awariz, et puis elle était là, m'a dit oui, on va aller manger une glace. Et vu qu'Awariz, tu le connais, il est toujours en retard. Et bah, je me suis dit pourquoi pas. Mais oh, d'ailleurs, l'heure, oulala, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Je vais aller voir si Awariz n'est pas là. Je reviens, Anna, ne t'en fais pas. T'as le cadeau. Quoi? Viens. Attends, j'arrive, attends. Vous allez m'expliquer, Papa Wariz, ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites avec ma copine? Attends, elle nous entend plus. Ouais, non, c'est bon. Non, mais c'est... ce que je fais, je fais rien, moi. Moi, j'attendais juste à Wariz, et elle est venue avec ses yeux de biche. Non, je vous coupe. Je coupe tout de suite. Qu'est-ce que vous faites avec ma fangirl? Elle est amoureuse de moi, pas de vous. Et moi, je veux pas qu'elle soit amoureuse de moi. Moi, j'ai ma femme. J'attendais juste à Wariz, c'est tout. Moi, je veux qu'on me foute la paix. Justement, je veux que tu m'aides. J'en ai marre. Là, elle fait que de me suivre, elle me colle, elle fait que de me coller. Attendez, Papa Wariz, comment ça se fait que la fangirl Anna soit amoureuse de vous? Eh ben, je sais pas, mais moi en tout cas j'ai pas envie, donc fais quelque chose, t'as le cadeau, je sais pas quoi faire, hein. Faire quelque chose? Attendez, là vous êtes en train de me dire que ma fangirl ne m'aime plus? Ben, on dirait, bah déjà qu'avec Awariz on avait le doute, mais alors bah là avec moi il y a plus de doute, elle me dit je suis plus beau que mon fils. Bon, ça c'est vrai, mais c'est bizarre quand même. Attendez, mais ça veut dire que... Hein, quoi? Anna, elle est passée de Awariz, de moi à Awariz, à son père. Ah ben, on dirait. Ben, il va falloir que tu trouves un moyen de la reconquérir, attendez, ne bougez pas d'ici, j'arrive. Anna, oui, t'as le cadeau, qu'est-ce qu'il y a? Anna, faut que je te parle 2 secondes. Oui? C'est vrai que t'es plus amoureuse de moi? Bah, en fait, moi, j'aime bien le papa d'Awariz. Un quoi? Mais attends, mais t'es plus du tout ma fangirl, Anna? Bah si, je suis toujours ta fangirl, t'as le cadeau. Moi, je suis toujours fan de tes vidéos. Mais en même temps, le papa d'Awariz, il est vraiment gentil et tout. T'es plus amoureuse de moi, Anna? Non. Bah, je pense que non, je sais pas. Un quoi? Mais ça, c'est pour... comment ça se fait? Bah, j'y peux rien, hein, c'est comme ça. Hein. Attends, mais ça veut dire que Anna est plus amoureuse de moi? Comment ça se fait? Non, c'est pas possible. Oh, non. C'est quoi ce délire? Elle est plus amoureuse de moi? Ah, ça a pas marché? Ah non, ça a pas marché. Va falloir trouver une solution, j'ai une idée. J'ai une idée. C'est vrai? Il faut que je la rende jalouse. Ah ouais, ça peut bien marcher, oui. Bah oui, ça rend bien jalouse. C'est un bon moyen, parce que quand t'es une femme, en général, t'aimes pas la concurrence, en général. Ah, ça c'est vrai qu'avec avec Mama Wariz, voilà, c'est vrai que quand les minettes traînent autour de moi... Voilà, t'imagines si Mama Wariz, elle voit que Anna tourne autour de vous? Vous imaginez ça? Oula, alors là, je danse sur le canapé pour au moins 2 semaines. Ah voilà, on est d'accord. Les femmes n'aiment pas la concurrence. Ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je trouve quelqu'un qui concurrence Anna. J'ai une idée, il faut que je trouve une nouvelle fangirl ou une nouvelle petite copine. Ça c'est la solution. Ça me fait penser quand on marchait dans la ville. Tout à l'heure on a vu, moi au début je trouvais ça bizarre, mais il y a un magasin qui vendait des petites copines. Oui c'est ça. Quoi? Ils vendaient des petites copines. Vous pouvez répéter? Ah oui, un magasin qui vend des petites amies. Ah oui, oui. Les fangirls, tout ça. Moi aussi je trouvais ça bizarre, mais ça existe. Je sais pas. C'est quoi ce délire? Il faut que j'aille acheter ça tout de suite. Oui. Je vais aller acheter ça. Un magasin qui vend des fangirls.
fangirl. Il faut que je rende jalouse Anna et que j'achète une fangirl. Où est-ce qu'il est ce magasin? Où est-ce qu'il est? Je crois qu'il est à tout droit, puis à gauche, puis à droite, puis à droite, puis à gauche, puis à gauche. Ah ok, je vais trouver ça. Merci Baba Waris, je vais trouver ça. Attendez. Ouais. Moi je vais distraire Anna pendant ce temps-là, comme ça elle nous embête pas. Ok, d'accord. Pas de soucis, allez la distraire. Vous savez quoi, offrez-lui ce gâteau avec, ok? Ah oui, c'est super. Ah bah, merci. Ouais, allez, bon courage et à tout à l'heure. Hein. Vas-y, à tout à l'heure. Bon, allez, c'est parti, on va au magasin. Faut que j'achète une fangirl. Ah, j'ai enfin trouvé le magasin. Waouh. Ok, je crois que c'est celui-là. Le père d'Avaris n'a pas été super précis sur vraiment l'emplacement où il était. Oh, j'ai galéré. Ok, ça. Bonjour. Bonjour, bien le bonjour. Vous êtes, dites-moi votre nom. Tel cadeau, eh bien, qu'est-ce qu'il vous faut dans mon humble boutique? Je me présente, Tel cadeau, 21 ans, je cherche une petite copine pour rendre jalouse ma fangirl, et on m'a dit que vous pourriez peut-être m'aider pour faire ça. Petite copine pour jalousie, je crois que j'ai ce qu'il vous faut. Ah, laissez-moi oui deux petites secondes. Oui, bien sûr, c'est un cas, ma foi, plutôt commun, hein, ceux qui veulent reconquérir leur petite copine parce qu'elle traîne un petit peu ailleurs, mais elle a oublié parce que vous êtes exceptionnel. Mais j'ai justement ce qu'il faut. C'est vrai, je suis exceptionnel. Et elles n'arrivent pas à comprendre, hein, les femmes, décidément, de nos jours. Non, il n'y en a pas une pour rattraper l'autre, hein, j'ai envie de vous dire. Mais non, c'est humain. De temps en temps, on oublie, et puis d'un coup, on se rappelle. Et les papillons, tout ça. Moi, je vous donne juste un petit robot, et ça règle les problèmes, n'est-ce pas? Ah, super. Eh ben, le voici, justement. Hop là, un bouton. Alors, ça fait un peu bizarre, mais c'est un bouton. Et comment ça marche? Alors, vous retournez chez vous. Ouais. Très important que vous le mettiez chez vous, à l'intérieur de chez vous, vous appuyez, et vu qu'elle va sentir que c'est votre maison, elle va vous prendre pour son petit copain, et c'est bon. Ah, vous ouais appuyez juste et elle apparaît. Oui, oui. Ok. Voyez, je vais vous montrer l'exemple. Il y a ce petit bouton, évidemment, à chaque fois les gens trouvent ça bizarre, mais on va appuyer sur ce bouton et vous allez voir, ça va être comme de la magie. Attention. Ok. 3, 2, 1, et... Mais pourquoi ça marche pas? Allez, marche. Mais oh, ça marche pas. Non, mais si, c'est que forcément, vu que c'est le modèle d'exposition, il a été beaucoup utilisé, voilà, il est un peu... Vous êtes sûr que ça marche? Oui. Si jamais vous êtes pas satisfait que ça marche pas, mais vous savez quoi, vous venez me payer demain, t'as le cadeau, c'est ça? Oui, c'est ça. Eh ben, on se revoit demain, et puis sinon... Et si c'est bon, mais vous me payez demain, d'accord? Je note votre nom et puis c'est bon. Je vous mets ça sur la note. Ok, très étrange. Ok, pas de soucis. Bon bah écoutez, je vais essayer ça. Par contre, si ça marche pas, je reviens pas vous payer. Hein. Et vous en faites pas, c'est retour garanti et l'effet toujours sublime. Ne vous en faites pas. D'accord, bon bonne journée, au revoir. Et bonne journée, au revoir. Il est malade ce type. Mais attendez, mais je vais faire apparaître ma petite copine avec ce bouton. Mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Bon, je vais rentrer chez moi et je vais utiliser ça, hein, quand même. Hein. Ah bon, on va rentrer chez moi. J'espère que le bouton va marcher. J'espère que je me suis pas fait arnaquer. Si je me suis fait arnaquer, alors là, le vendeur, il va m'entendre parler. Là, je vous le dis. Où est-ce que je vais me mettre? Je vais me mettre là-haut, je pense. Est-ce que je vais me mettre là-haut? Ouais, je vais me mettre là-haut. Je vais me poser ici. Regardez, bouton petite copine. On va se mettre ici et je vais tout simplement appuyer sur le bouton d'un seul coup et on va voir si ça fonctionne. Ok, 3, 2, 1, go. Ok, j'appuie. Oh, Bonjour, t'as le cadeau. Bonjour. Tu vas bien? Ouais, ça va. Ça marche vraiment? Ah bah oui, elle est trop bien ta maison. Je suis trop content d'être là. Ah mais t'es ma nouvelle petite copine? Ouais. Oh, j'aime trop, t'es trop belle. J'adore. Merci, c'est gentil. J'adore ça. Aussi, t'as le cadeau. Oh, merci. Ah, écoute, en fait, comment dire, je t'ai acheté pour... ça se dit pas. Oula, qu'est-ce que j'allais dire? Ça se dit pas du tout, mais ça. Mais non. Bon, en fait, du coup, t'es ma nouvelle petite copine. Par contre, faire attention parce que tout le monde est intéressé par moi. Surtout une fille qui s'appelle Anna. Anna, elle me veut trop. Donc, faut que tu sois super jalouse d'elle. Et ouais. T'inquiète, avec moi, Anna, elle va avoir trop peur. Ouais, elle va avoir trop peur. Tu sais quoi, maintenant, on va sortir en ville et on va aller faire les boutiques parce que je vais t'acheter tout ce que tu veux, ok? Oh, ouais, en plus, j'adore faire des shopping, c'est trop bien. Ah, trop bien. Bon, par contre, je te dis vraiment, il y a une fille en ville, elle veut vraiment, elle est à fond sur moi et elle s'appelle Anna. Elle me ressemble un peu, elle est en rose. Elle est un peu comme moi, sauf qu'elle a des habits roses, voilà. Ok, je vais gérer, t'inquiète. Faut vraiment que tu te méfies d'elle, ok? Oui, de toute façon, t'es à moi, t'as le cadeau. Oui, je sais, maintenant, à partir de maintenant. Bon, alors,
Tiens bah, regarde, en parlant est-ce, de ça, elle est là-bas. Est-ce comme ça que j'ai réussi à maîtriser un tigre du Bengale? Oh, mais c'est trop fort! Waouh, vous êtes trop impressionnant! Ah oui, j'ai fait beaucoup ça dans ma jeunesse, hein, ah, avec ses muscles saillants! Attends, qui elle? La, ouh! Ah, ça va ma nouvelle petite amie, on va aller faire les boutiques! Oh ouais, ça va être trop bien, mon tel cadeau! Ah ouais, ça va être trop salut, bien! Salut, mais c'est qui? Bonjour! Salut Anna, bonjour. Ça va? Ça va, mais je la connais pas elle! Ça faisait longtemps, moi, bah. Je suis la nouvelle. Voilà. C'est une cadeau. Ouais. Voilà. Ah, du coup, Anna, ma nouvelle petite amie, ma petite amie, Anna, voilà. Bonjour, Anna. Bonjour. Ok. Bah voilà, j'ai refait ma vie, du coup, voilà, avec ma nouvelle petite amie. Voilà. Eh bien, félicitations, tel cadeau. Je la connaissais pas. Pourtant, je te vois souvent, hein. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'apprécie vraiment. Bah, vous, félicitations aussi, vu que maintenant, je vois que vous avez. Vous avez Anna qui voilà qui sort avec vous. Mais non, on sort ensemble. Voilà. Bon bah du coup on va vous laisser. Nous on va aller faire du shopping et je vais acheter tous les vêtements que veut ma petite amie. Voilà, tous les vêtements. Hein? Attends, t'as le cadeau. Moi je pense qu'il faut qu'on fasse un test de qui est la meilleure petite amie de qui en fait. Non. Ah tu veux quoi dans boutique, hein? Tu veux t'as le cadeau. Moi je te suis. Ah ouais, tu veux quoi? Des vêtements? Tu voudras quoi? Dis-moi, je t'achète tout ce que tu veux. Du rouge à lèvres et plein de jolies robes. Ouais, vas-y, t'inquiète pas. Moi, je te demanderai jamais ça, tel cadeau. Je te demanderai jamais de m'acheter des choses. En fait, Anna, qui t'a demandé ton avis? Hein? Qui t'a sonné? Ouais. Hein? Dis-nous, personne? On est d'accord, personne. Et bah, du coup, avec Anna, on va y aller. Hein, et puis, bon après-midi. On rentre à la maison. Au revoir. Allez. Ciao. Non, mais moi, je vais pas me laisser faire. Ah ouais, qu'est-ce que tu as à faire d'abord? Non, moi, je veux la provoquer en duel. La provoquer en duel? Ouais, duel de petite amie. T'acceptes le duel? Bah, de toute façon, je suis sûre que je vais gagner parce que je suis la meilleure petite amie. Non, ça, c'est pas sûr. Je suis d'accord. Ouais, tu vas gagner. Bon, allez, vas-y, on accepte le duel. On accepte le duel, vas-y. Ok, bah, on y va. Suivez-moi. Ok, what? Okay. On dirait qu'elle a tout préparé. C'est quoi ce délire? Attends, t'as le cas. Viens là. Qu'est-ce là. Parce que le truc, c'est qu'il faut vraiment la rendre jalouse. Donc, du coup, il faut faire en sorte qu'elle perde les épreuves. Donc, je vais saboter les épreuves. Comme ça, on est sûr qu'elle perd. Vraiment, c'est énervé. Allez-y, on fait ça. Ah, attends, j'arrive. On arrive. On est arrivé. C'est quoi ce délire? C'est le tunnel de l'amour. Le tunnel de l'amour? Oui, du coup, on va faire les épreuves et tu vas te mettre avec ta nouvelle petite copine. Et moi, je vais me mettre avec le papa d'Awariz. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est parti. Hein. C'est quoi? C'est une course de bateau? Ouais, faut tirer sur les cœurs qui sont juste au-dessus. Alors, il y en a un qui conduit et un qui tire. Moi, ce que je propose, c'est que les filles, on conduise et les garçons, bah, vous tirez à l'arc. Ok, on tire à l'arc, pas de soucis. Allez, vas-y, ma petite copine. Ok, il faut qu'on tire sur les cœurs. Ok, bon, on y va. Okay. Vous êtes prêts, papa Waris? Papa Waris, vous ratez, on avait dit, hein. Ok, là c'est bon. J'essaie de tirer, mais j'arrive pas à viser. Ok. Faites un effort quand même. Ok, j'ai réussi à en toucher de là. J'ai vas-y, touché. T'as le cadeau. C'est bon, vas-y, continue, avance. Je les ai là. J'en faut ai eu. Quand même qu'on en touche. Je les touche. Le père d'Awariz. C'est bon, je l'ai eu. Père d'Awariz. Trop beau, les cœurs. Le père d'Awariz, je sais pas comment il en a touché, mais pas beaucoup, je crois. Hein. Ok, ça va, je touche. Bah, c'est que c'est dur, hein. J'en ai touché qu'un sur les trois. C'est ça, moi j'y arrive. Allez, faut réussir. Moi je les ai tous touchés, C'est bon, vas-y, continue, petit ami, vas-y. Trop fort. Oui, je sais que je suis trop fort, je suis le plus beau, hein, n'est-ce pas, le plus fort. Oui, c'est pour ça que je t'ai choisi. Eh oui, c'était sûr. Allez, vas-y, c'est bon, j'ai tout touché. Wouhou. Hop là, c'est bon. On a réussi première épreuve de gagner. Regarde, même moi, regarde ce que je vais faire. Je vais tirer sur leur bateau. Regarde, hop là. Arrête, t'as le cadeau. Hop là. T'as le cadeau. Ah, j'arrive. Attends, pourquoi j'arrive? Ah non, oula, ok, je me suis fait. De toute façon, on a perdu, t'as pas besoin de t'acharner sur nous. Ouais, on a gagné la première épreuve, je crois que ma petite copine est la meilleure, hein. Non. C'est que la corde de mon arc était pas bien tendue. Ça, faudrait dire que je suis pas archer, hein. Moi, je sais pas tirer avec ces machins. Ouais, je suis d'accord avec vous. C'était plutôt dur. Bon, alors, voyons voir quelle est la deuxième épreuve. La deuxième épreuve, c'est un concours de pâtisserie. Concours de pâtisserie? Ok, oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On va devoir faire un gâteau. Et donc, les garçons, vous allez chercher les ingrédients, nous les donner, et nous, on doit faire le gâteau. Ok.
parfait. Ok, Papa Wise, hey, donne les mauvais ingrédients, ok? Ah, ben ça tombe bien, je sais même pas comment qu'on fait un gâteau. Pas parfait, c'est super ça. Qu'est-ce que vous prend là? Calmez-vous un peu, hein. Y a rien. Je vais chercher les ingrédients tout de suite. Ok, maintenant, ok, c'est bon, je vais chercher. Ok, alors, ok, il faut que je trouve les ingrédients pour que ma petite copine fasse tout simplement un gâteau. Et moi, je sais, les ingrédients, je les connais, puisque, tout simplement, pourquoi j'ai... Pourquoi... Mais ils sont où tous les ingrédients? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Où sont les ingrédients? Je ne les trouve pas. Oula. Ah, mais vraiment, je trouve rien du tout. Comment ça se fait? Ah, là, là, là. Ah, ok. Ok, j'ai le blé. Déjà, j'ai le blé. Ok, 14 de blé. Dans l'évier, peut-être dans le frigidaire. Est-ce qu'on a oublié? Oh, le lait dans le frigidaire, bien évidemment. Allez, dépêchez-vous, papa d'avoir Ok, j'arrive. Okay. Le sucre et les œufs. Ok, c'est bon, ma petite amie. Bon, par contre, j'espère que tu sais faire un gâteau, hein. Oui, t'inquiète, je suis trop forte en cuisine. Ok, j'ai tous les ingrédients. Ok, hop là, le sucre, les œufs, le lait, tout ça et le blé. J'y a tout ce qu'il faut. Normalement, avec ça, tu peux faire un gâteau. Okay. T'as intérêt à c'est pas bon, trouver. J'ai trouvé. Alors, j'ai trouvé un lingot de fer. J'ai trouvé du poulet rôti parce que c'est bon le poulet rôti. Du pain parce que c'est bon le pain. Une boule de feu et il m'a dit qu'il fallait des œufs. J'ai pris des œufs de creeper. Mais comment est-ce qu'il va faire? Je mélange tout. Attendez, mais jamais ils vont faire un gâteau avec des lingots de fer et un œuf de creeper. Ça marche pas, on peut pas faire un gâteau. Okay. Mais si, l'œuf de creeper, il fait péter le lingot de fer et du coup ça fait des pépites de fer et c'est super bon, ça croustille et tout. Vas-y, essaye. Non, ça marche pas, y'a rien qui marche. J'arrive pas à faire un gâteau. On a réussi à faire le gâteau, il est juste là. Eh oui, on est trop fort, je crois qu'on a gagné la deuxième épreuve, eh oui. Bah oui, mais moi j'avais pas les bons ingrédients. Bah peut-être parce que t'es un peu nul, Anna. C'est pas de ma faute. Bouh, Anna, t'es nulle. Bou. On non, a gagné. Non, c'est pas vrai, je suis pas nulle. Ah, t'as moins 5, toi. Allez, vas-y, mon gars. Pardon. Vous êtes pas censé être content, vous êtes avec moi. Ah mais non, je suis très triste. C'est juste qu'il avait fait une blague tout à l'heure et du coup, il me tape moins 5 parce que c'était drôle. Voilà, c'est ça. Moi, je vais prendre ma revanche là. Dernière épreuve. Ah, la dernière épreuve. J'espère que tu vas. Eh, Papa Wise. Ouais. Eh, pareil, vous faites foirer l'épreuve, hein. Ah, ouais, t'inquiète, ça je sais faire. Là, je suis chaud, là. Je suis chaud pour te louper. Nickel. Bon, vas-y. Allez, Anna, on va gagner, hein. On va gagner, hein, cette fois-ci, hein. C'est simple, ça va être du PVP. Du PVP Ouais, on va devoir se battre. Tu sais te battre, toi? Un petit peu, mais avec toi, ça devrait bien se passer. Vous, entre filles, vous tirez les cheveux, vous balancez des barrettes, des trucs comme ça, non? Ouais, c'est vrai que l'épée, c'est quand même différent. Ouais, l'épée, c'est différent. L'épée, c'est un truc d'homme. Ouais, mais on va y arriver, t'as le cadeau. Toi, t'es trop fort. Bah, c'est bon, alors. Parce que bon, je suis pas sûr qu'il y avait des femmes qui étaient chevaliers, hein. À part Jeanne d'Arc. Je sais pas. Mais qu'est-ce que vous racontez? Bon, alors, on prend ce qu'il faut. Hop là. Tac. Wouhou! Ok, on va s'équiper. Là, je pense que ça va le faire. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête, t'as le cadeau. Parfait. Bon, alors, et vous êtes prêts, vous, là-bas? Ouais, c'est bon. On est prêts. Allez, bon. Du coup, on commence par. Par Anna, hein, ok? On commence par Anna. Ok, 3, 2, 1, go. À l'attaque! Pourquoi ils font tous les deux dessus? À l'attaque, viens ici! Viens ici! Allez, on commence. Allez. Aidez-moi! Alors, c'est pas ton mec qui te défend. Aidez-moi! Mais ils sont bien criés, ça fait peur quand ils crient! Allez, vas-y! Allez, on bat! Allez, voilà. Ouais. Maintenant, on s'occupe du gros lard qui est là-bas. Moi, j'abandonne. Oh, j'abandonne. Oh, drapeau blanc. Vous avez gagné. Hein. On a gagné. Vous avez gagné, bravo. Youhou, on a gagné. Ah, on est trop fort, ma petite amie. Ouais. Bravo, t'as le cadeau. Ah, bravo. C'est pas juste. Bon, alors, non, on boude. Ah, bah voilà, c'est ça. C'est ça, les filles, quand on fait pas ce qu'elles veulent, et bah voilà, elles pleurent, voilà. C'est comme ça. Non mais... Moi, je
je m'en vais toute seule. Non, et voilà, 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 et voilà. Bah merci, hein. Merci beaucoup. Eh ben, attends, je crois que c'est le moment. Vas-y, vas-y, vas-y. Eh ben, je fais quoi? Eh ben, et maintenant, ben, tu vas lui parler, tu lui dis... patati, patata, des trucs qu'elles aiment bien entendre, et puis c'est bon, c'est dans la poche. Vous avez raison, vous avez raison. Tiens, ma petite amie, reste avec Papa Horiz, ok? Oui, oui, il faut qu'on... Je t'attends, t'as le cadeau. Oui, t'inquiète pas, ma bien-aimée. Anna, ouh, Anna... Me parle plus, t'as le cadeau, parle plus. Pourquoi je te parle plus? Non, je veux plus que tu me parles. Bah pourquoi? Bah parce que t'es méchant avec moi, et puis t'as été avec ta nouvelle petite amie, moi je l'aime pas. Enlève ton casque, que je puisse voir ton beau visage et que je te parle. Écoute-moi, pourquoi tu m'as remplacé par le père d'Awariz? Mais je t'ai pas remplacé, c'est juste qu'il est gentil. Et moi, je suis pas gentil. Moi aussi, t'es gentil aussi, t'as le cadeau, mais toi, t'es pas amoureux de moi. Mais pourquoi tu me remplaces? Moi, parce que t'es pas amoureux de moi, et peut-être que je perds mon temps avec toi. Mais tu penses que le père d'Awariz est amoureux de toi? Moi, je sais pas. Mais non, mais regarde, Anna, tu sais quoi? Si tu redeviens ma fangirl et que t'es re-amoureuse de moi, je vire la petite amie. Moi, je veux bien que tu la vires, oui. Vas-y, bah tu sais quoi? Ce que je propose, c'est qu'on aille la... Bah, tu sais quoi, on la combat et on s'en débarrasse, ok? Bah, c'est pas gentil pour elle, quand même. On s'en fout, c'est pas une vraie. T'as raison, c'est pas une vraie. Mais comment ça, c'est pas une vraie? Non, pour rien. C'est pas... Juste, tu sais quoi, pose pas de questions, prends une épée, prends ton épée, et on va à l'attaque, ok? D'accord, on y va, on va la tuer. À l'attaque, wouhou! On va attaquer la petite amie. Tel cadeau, reviens. Oui, on arrive. Aïe. À l'attaque. Qu'est-ce que tu fais, tel cadeau? Rien du tout. Tel cadeau. Hop là, allez. Allez, vas-y, Anna. Allez, on s'en débarrasse. Voilà. Wouh. Boum. Voilà, c'est elle bon. Elle est morte. Voilà, on se réjouit pas de la mort des gens. Non. Voilà, c'est bon. Mais non, c'était pas une vraie personne, tu l'as dit. Regarde, c'était un robot que t'as commandé, tu te rappelles pas? Stop. Un robot que t'as commandé? Non, pas du tout. Bon, je pense pourquoi que... Pourquoi t'as fait ça, t'as le cadeau? Je pense que je vais devoir y aller, ok? Je vous laisse. Cadeau, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as commandé un robot? C'est pour me rendre jalouse, c'est ça? Parce qu'en fait, tu m'aimes, t'as le cadeau, c'est ça? Non, c'est que t'as amoureux de moi. Non, laisse-moi. Ah, si t'es amoureux de moi, je sais que tu m'aimes. Oh là là, non, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Non, c'est bon, j'y vais. Non, t'enfuis pas. Si, j'y vais. Les amis, il y a tout simplement 3 vidéos qui s'affichent sur votre écran. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo et à liker, à vous abonner. Il y a la vidéo et la chaîne d'Anna aussi. Ciao, ciao les potes.